on the floor. They're walking out the door. Yeah, all the lights come on, but you are still the one I want. Forget the mess we made, all the things we shouldn't have said. You let your guard down, so I let my guard down too. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. I'm free, bitches! Ha! Ils n'ont pas vu venir, ça. Oh fuck, Yamayuko. Bah, elle me dénoncera pas. Je devrais aller. A plus, bitches! Ah. Liberté, égalité, fraternité, tout le tralala. Évidemment. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Holy Cube, c'est l'épisode 17 de la saison 5, j'espère que vous appréciez toujours autant la série d'ailleurs. Et du coup, la dernière fois, nous avions fait les magnifiques bâtiments de guild, celui d'Edo, celui de Mayo. D'ailleurs, celui d'Edo, comme vous pouvez voir, est entièrement fini, je vous fais une petite visite. Vous pouvez voir d'ailleurs ce qu'il fait en live sur twitch.tv/edoroki. Il a fait aussi un petit peu l'arrière, il reste encore des petits détails à faire par-ci par-là, notamment le bas ici. Je pense que c'est là qu'on va mettre notre portail d'ailleurs, comme ça les gens pourront sortir d'ici. Et puis pourront aller à droite ou à gauche, parce que là il y aura le reste de la ville évidemment. Et puis pourront admirer bah, tous les bâtiments. En parlant de bâtiments d'ailleurs, Tutu va faire sa guild ici, Zanzag va faire sa guild là. Ils sont déjà en train de les designer, donc ça on les verra dans un futur épisode, ça devrait être plutôt classe. Du coup Tutu, tu t'es décidé sur une guild? J'y réfléchis. Y a qu'est-ce qui pourrait être RP pour ton bidule? Il faut que ça fasse médiéval, Minecraft. Une guide d'inspecteur. Pour inspecter des choses. La police, il y a de la police. La guilde de la police. Genre. C'est un commissariat. Non, mais c'est genre, du coup, c'est pas une guilde. Mais c'est les gardes de la ville, quoi, la police. Ouais. Mais eux, ils ont leur garnison. C'est un bordel. Mais l'organisons un bordel. Oh. C'est pas une guilde, le bordel du coin-coin. La guilde des hein. artistes. La guilde de la culture. Une idée du bordel. Guilde de peintres. La guilde, comme ça, je peux mettre plein de artistes, tableaux dedans. Disons non. Ouais. Tu fais guilde des artistes, ouais. Et comme ça, en fait, devant, tu mets un petit mini amphithéâtre dirigé vers la place, tu vois. Ça peut être vachement cool, mettre une petite scène et avec à l'intérieur un deuil. Juste en décor des petits jardins et tout, et après le bâtiment. Ouais, là, genre, ici, tu mets les gradins, et puis tu fais le truc de théâtre dans le bâtiment qui est collé. Donc, tu dois te coller à Edo. Vraiment collé, hein. Tu fais ouais, un câlin. D'accord. Je twerk. Offre-moi plus d'œufs. Ah, merde. Attends, si tu veux, j'en ai. Regarde, là, il y a un œuf. Là, il y a un œuf. Là, il y a un œuf. Je twerk. Là, il y a un œuf. Là, il y a un 8 plus 1. Là, il y a beaucoup de chiffres. Là, il y a un 9. Pourquoi tes œufs sont renommés? C'est important de renommer ses œufs, tu fais mais pas ça toi? Mais pourquoi t'as renommé tous des stacks d'œufs? Stop, arrête d'en jeter. Mais t'as passé 3 heures à faire ça. Pour bon, regarder un qui s'appelle MLDEG. Oui, c'est MLDEG avec deux G à la fin. Egg. Ça fait MLDEUF. Pardon? Désolé, ça s'y prêtait trop. Mais t'as passé combien de temps à faire ça? Je sais pas, c'est 2 minutes. 8 plus 1. 9 fois 3 exposant 2 divisé par 3 entre parenthèses 1 plus 2. Je crois qu'on l'a perturbé. Ça vient se passer, monsieur. Non, mais, ça vient se passer. Je suis juste en train de me demander pourquoi. Alors, c'est très simple. Pourquoi on a commencé la soirée sur mon Discord en mode... Je veux pas faire des choses constructives ce soir, alors je vais mettre de la musique nulle, chanter très fort et faire de la merde. Ça en fait partie. Ah, j'aime bien ça. On dirait un stream de ML et moi, en fait. Ouais.
Alors du coup, maintenant que je suis sorti de prison, maintenant que j'ai fini ce que je devais faire juste avant, ce qui n'a rien à voir avec la prison ou je ne sais quoi, on peut travailler sur cet épisode-ci et vous allez voir qu'on va faire quelque chose d'assez important. Nous allons finir de booster notre business et cela par la méga ferme à bois. Mais d'abord, attendez une minute. Pas de cave? What? Il me faut une source de lumière. J'ai trouvé la Batcave de ce foutu Batman. Il est l'heure de se venger. Yes. Ah! Il y a tout. C'est tout ce qui m'appartient. Je prends. Ça peut spawner par contre là. Je reprends mon dû, mais évidemment je veux pas que ça spawn, voilà. Oh non, peut-être pas ça. Fuck. Non, j'ai mis le bacon, ça fait exprès. T'es bête. Yes! J'ai récupéré mon argent. Ciao Batman! Excellent. Bah tiens, on va refaire le plein. C'est cadeau pour tout le monde. Excellent. Je garde les shulkers, hein, quand même. Faut pas déconner. Non, je vais aller lui remettre les shulkers. Vous savez, je suis bon et miséricordieux. Je vais lui remettre les shulkers. Donc ça, c'était 41 diamants qu'ils ont pris. Ça, c'était ces 13 diamants-là, je sais plus. Et puis, il y avait ça, c'est les 10 diamants qu'il avait dit qu'il avait déjà pris aussi au tout début. Donc, ils ont pris plusieurs fois les diamants, en gros. Les 13 diamants, c'est... il doit y avoir 13 diamants qui appartiennent peut-être à ML, il me semble. Vu qu'il m'a dénoncé, c'est bien le prix de... Voilà, c'est le prix de son pardon. Ah, c'est la richesse. Yes. So much richesse. So much sécheresse. Wait. Tout est vide. On va aller lui remettre. Hihihi. Ho ho ho. Ha 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 ha. Ni vu ni connu. Nous avons volé le Batman. Enfin, je l'ai volé de ce qui m'appartenait. Donc c'est bon. En gros, c'est valide. C'est valide. Ah, c'est valide. Je devrais oui écrire un message à Batman. Mais j'ai pas de bouquin. Enfin, j'ai un bouquin, mais voilà. Écris-le avec des carottes. Je vais renommer une carotte. Ouais, je pourrais renommer des carottes. Faisons ça. Je reprends mes voleurs de voleurs, oui. Je reprends mes possessions, bateau. Voleurs de voleurs. Voilà. Alors, avant de continuer cet épisode, nous venons de mettre à jour le serveur. Nous sommes maintenant passés en 1.16.2. Qui normalement devrait corriger certains problèmes qu'on avait, améliorer les performances aussi évidemment. Nous avons toujours nos modes d'optimisation qui sont lithium et phosphore, je vous rappelle, qui permettent d'optimiser largement les serveurs Minecraft. Je vous le recommande vraiment si vous jouez à plusieurs sur un serveur, même en solo en réalité, je vous le recommande vraiment. Et du coup, normalement on a tout pour l'1.16.2. Il y a même OptiFabric qui a été miraculeusement update, qui avait été arrêté d'être update, donc ça c'est cool. Maintenant la question que je me pose, c'est que je viens de finir, et ça c'est une petite nouveauté, je viens de finir entièrement la ferme à bois. Donc la voici, on avait fait la partie centrale, je vous rappelle. Et puis j'ai rajouté ça, alors j'ai pas fait de timelapse, mais j'ai rajouté la partie ici. Ça c'est ce qui permet, alors ça peut paraître très complexe, ça l'est techniquement, mais en gros c'est simple entre guillemets. Ce système là en fait, il prend le tronc qui est vertical, et il le pousse un bloc par un bloc pour en fait... ne plus avoir un énorme tronc, mais juste un fil de un bloc. Donc vous voyez, c'est juste un bloc, et ça fait une sorte de petit chemin de bloc. Et après, ça se fusionne avec l'autre côté, parce qu'il y a ça de chaque côté, parce que oui, il y en a deux. Donc ça, c'est les troncs des arbres, en réalité, et ça, c'est les branches des arbres, donc c'est seulement l'acacia, en réalité. Et tout est rassemblé ici, à cet endroit-là, et puis ça part, tout part. Alors ça va très vite, hein, parce qu'évidemment, quand un arbre pousse, c'est genre... jusqu'à plus de 10 blocs de bois, donc ça va très vite, hein. c'est très rapide. Et ça feed cette blast chamber de Hill Mango qui est juste complètement overkill. En gros, le but de ce mécanisme, qui ne marche pas très bien en réalité, parce que je pense qu'il y a un petit problème, mais le but c'est de faire un énorme rond de blocs avec un trou en plein milieu pour la TNT. Bon, encore une fois, moi ça marche pas hyper bien, parce qu'il y a un petit problème, mais elle fonctionne quand même. Et du coup, après, ça pousse les blocs au bon moment, ça fait péter une TNT, ça pète jusqu'à
280 blocs en même temps. Elle est massive, cette Blast Chamber. Vous pouvez récolter mais une quantité de blocs incroyable. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la raccorder à d'autres fermes. Donc si je fais venir, je sais pas moi, par ici au-dessus, du basalte, voilà, d'une ferme à basalte, je peux récolter le basalte aussi avec cette Blast Chamber. Ou du béton, par exemple. Ou encore, je sais pas moi, de la cobalt, un générateur de cobalt. Alors, pour mieux illustrer, le mieux, c'est juste regarder comment ça fonctionne. Donc, regardez, voilà. Et on voit tous les petits blocs se faire déplacer. C'est franchement fantastique comme machine. Fantastiquement long à créer aussi, ou à refaire sur le serveur, mais fantastique à regarder fonctionner. J'avais un petit problème d'ailleurs, je m'étais trompé sur un timing, sur un répéteur ici, et c'est ça qui avait causé des problèmes. Pour ceux qui ont regardé en live, c'est ça qui avait causé des problèmes sur la ferme, mais la partie ferme en tant que telle marche nickel jusqu'à maintenant. J'ai pas trop eu de problème à part un petit bloc de dirt, bon, qui est en réalité très important, mais qui des fois ne se fait pas remettre en place. Mais ça, j'ai l'impression, c'est quand j'éteins la ferme trop vite, après qu'elle ait fait pousser un arbre, parce que ben, jusqu'à maintenant, j'ai pas trop eu de problème. Et comme vous pouvez voir, je fais pousser de l'acacia, l'arbre qui est, selon moi, le plus embêtant à farmer. Et j'en ai déjà commencé à accumuler pas mal, mais il me faut un système de récolte, de toute manière. Donc ouais. Donc, dans le reste de cet épisode, nous allons travailler sur cette ferme. On va la décorer. Et on va essayer de aussi, bon, on va l'inaugurer, montrer aux gens qu'elle est fonctionnelle et tout ça. J'aurais pas entièrement fini, il faut que je fasse un assez gros système de stockage pour stocker tout ce bois. Mais je tiens à l'inaugurer dans cet épisode-ci auprès des autres membres, leur montrer que, oui, maintenant ils peuvent avoir de l'acacia à Hollywood. Et ça, c'est cool. Donc la ferme marche plutôt bien. Maintenant, je propose de faire un petit test longue durée pour voir si ça fonctionne dans le temps, justement. Premier test longue durée pour la ferme. Elle fonctionne depuis 3 minutes, 4 minutes, à plein régime, avec l'acacia, qui est le bois le plus compliqué pour elle à farmer. Enfin, techniquement, le jungle peut être aussi assez compliqué vu qu'il pousse assez haut. Mais là, ça utilise toutes les parties du système. Et ça marche plutôt bien. Ça consomme plus de bonne mille que je ne le pensais. Genre beaucoup plus. Donc, il va falloir alimenter à fond. Heureusement qu'on a la ferme à Wither qui nous offre plein, mais bon. Voilà. Donc ouais, ça se remplit pas aussi bien que ça devrait. Même si ça... Oh, ça commence à se remplir de plus en plus, j'ai l'impression. Là, c'était pas aussi rempli avant. Mais bon, ça marche. C'est juste que ça utilise plus de TNT. J'ai pas encore le duplicateur de TNT en haut, mais... Ça marche. Au moins, comme ça, ça alimente le business de Zanzac, vu que j'achète toute sa TNT. Ok, alors ça fait facilement 10 minutes qu'elle tourne maintenant. Et graduellement, le truc est en train de se remplir de la Blast Chamber. Donc visiblement, c'était normal que ce soit vide au milieu au début. Parce que oui, c'est de plus en plus rempli, mais bon. Et du coup, yep, ça produit bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on a de quoi faire notre première shulker d'acacia. On ira la mettre au magasin. Et du coup aussi, elle tourne nickel. J'ai remis un peu de bonne mille, évidemment. Mais comme vous pouvez voir, là, les feuilles normales s'accumulent. C'est les acacias, ça pousse un petit peu n'importe comment. Mais c'est protégé, notamment, vous avez des observeurs ici qu'il ne faut pas update, évidemment. Donc ils sont protégés avec des blocs de verre. Mais tout marche nickel en fait. Genre vraiment nickel. Il n'y a pas le bloc de dirt aussi qui s'est retrouvé coincé comme c'est déjà arrivé. Mais je pense que c'est vraiment parce que je l'éteignais trop vite. Ça, il n'y a rien qui est resté coincé. C'est là que j'avais eu des problèmes auparavant. De l'autre côté des branches, c'est pas resté coincé. C'est nickel. Donc là, d'ailleurs pour information, le truc fun vraiment à regarder, c'est ici. Sur cette ligne là, c'est tout le bois qui sort de la ferme à bois. Et comme vous pouvez voir, ça va vite. Ça va vraiment vite. Et encore là, on est sur de l'acacia. C'est pas celui qui produit le plus, l'acacia. Donc ouais, c'est massif comme vitesse. Donc voilà, notre ferme à bois ultime. L'acacia fonctionne, donc les autres arbres fonctionneront à coup sûr. Le oak, lui... Ah, le oak, c'est peut-être celui qui pourrait poser problème par moment. Mais il y a un système pour empêcher que le oak ne pousse, pour ceux qui se demandent. Donc ça va. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Maintenant qu'on est sûr pour le côté fonctionnel, vu qu'on a pu le tester sur une longue durée et que tout fonctionne nickel, ben maintenant il ne reste plus qu'à la décorer et l'inaugurer parce que cette magnifique ferme, évidemment, mérite aussi une magnifique décoration. Donc commençons tout de suite.
Il y a combien de personnes dans mon trou du coup là? Ah bah ça grouille là. Il y a Shuka, il y a ML, il y a Tutu, il y a Zanzag. Il est là-bas, le Zanzag. Bah t'as toute la clique là. Tout le monde est dans mon trou. Oh. Ça va de l'autre côté? Oui. Ça avance? Oui. Minecraft avec du son réaliste, voilà. Je sais pas si c'est extrêmement réaliste. Ah mais... si, hein, une grotte pareille, ça donnerait ça comme écho, hein, je suis désolé. Il faut les bruits de gouttes aussi. C'est quoi cette bête? J'ai peur. Elle fait vraiment peur cette tête. Il y a deux mouches à la vache. Ça fout les balles. Ouais. Tiens, il y en a une. Ah c'est là, la malédiction de la grotte, tu sais, les gens s'en sont dans la mouche au bout d'un moment. C'est bon, il y a la troisième mouche. Oh, mais allez, mal au fait. Ah. Et on a fini. Ouais. Ouais. On a fini. Yeah. Ouais, c'est une fin de tournage. Ouais. Regardez, c'est classe, hein. Il y a le petit chemin, en fait. Si vous avez un petit chemin au-dessus, vous pouvez le suivre et vous voyez toute la ferme du côté. Et vous pouvez juste le suivre et regarder, faire tout le tour de la ferme. Ah, c'est trou les cubes, hein, donc il me fallait mon propre trou. Après, je trouve vraiment petit ton trou. Après hein. Trou, il m'en fallait un. Bon hein. Oh c'est une ferme à bois. Ah, ah, je viens de comprendre. Après trou, après coup. Oh. Oh. Là, on est bon, là. Ah oui. C'était ça l'inauguration, c'est non hein. Oui, hein. C'est tout ce que je voulais faire, moi. C'est ça l'event, en fait, oui, ce c'était soir. C'était ça, hein. Voilà, on vous avait dit plus de multijoueurs sur l'équipe saison 5. T'as fait un Undermeet. Voilà. Et voilà le multijoueur. Vous aimez le multijoueur? Vous l'aimez, hein? Hein? Mais viens, Emel. Viens, Emel. Mais viens. Non, viens. J'essaie de venir avec une Underpearl. Non, ça marchera pas. Et fait double espace. Il va mourir. Il va mourir. Il va refaire pop une Undermeet. Là, j'ai qu'une envie, c'est de mettre un petit coup d'épée, tiens. Mais bon. Ah bah oui. Il triche. Il nous a surpris. Il avait une assurance vie. Donc ah, là ça veut dire qu'il en a plus là. Eh oui. Ce serait dommage. Ah mais il est en... C'est quoi ça? C'est pas moi qui ai tiré une flèche par contre. Ouais ça se fait pas. Bah j'ai pas de... Regarde mon arc n'est pas enflammé. Donc ah, t'as deux arcs en plus. Ça veut dire que tu lui as mis une flèche oh là là. Tire un peu avec ton arc pour voir. Attends, y'a pas un squelette dans le coin là? Il y a un creeper qui arrive. J'ai pas réussi. Un creeper? Où ça? Ouais. Derrière toi. Ok. Bon, y a les meilleurs. On peut aller inaugurer la ferme. On va là-bas. On traverse. Et c'est ici. Merci, Juju. Welcome, je ferai une meilleure entrée. Bon, après, c'est juste une entrée pour moi, techniquement, vu que c'est une ferme privée. Ferme privée qui le montre au grand public. C'est il à droite pour descendre. Long live the king. Aïe. Ah. Welcome. Welcome to my big farm. Ouh. Je vais l'avoir marché. Faut que je trouve une meilleure manière de, de suspendre la blast chamber, mais sinon, la voilà. J'ai même refait l'eau en bas. Vous voyez, ça fait un énorme rond au lieu d'un carré, ce qui est plus esthétique. Sacré travail de slabage. Ah oui, ML a fait tout le slabage. Ensuite, il y a Shuka, Zanzag et Tutu qui m'ont aidé à creuser. ML a torché. Et j'ai détorché du coup derrière. Yes, il a détorché du coup techniquement. Là voilà. Il y a un petit chemin ici, c'est juste un chemin de maintenance pour vérifier la redstone, tout va bien. Du coup, vous voulez la voir fonctionner? C'est le plus intéressant. Oui. Ah ouais. Oui. Vous êtes prêts? C'est pas grave. Vous êtes prêts? Oui. Non. Non. Il s'en fout, hein. Ouais, j'ai lancé, hein. C'est bon, j'ai plus de pousses d'arbres, il faut que j'en récupère. Oh putain. Je vais finir par en avoir assez, mais c'est juste qu'au début, j'en ai pas assez. Voilà. Et pourquoi les notes blocs? Les notes blocs s'update. Et du coup, ça update le bloc à côté. Ça permet de transférer la redstone. C'est comme un câble, ah, en gros. Oui, c'est très avancé.
voyez le système qui remet les troncs vers le bas? C'est classe. Allez, encore un coup. Chaque piston active un observateur, etc. Les observeurs, en fait, se servent de câbles de redstone, en vrai. C'est juste que la redstone dust, si tu utilises, ça power les... Le problème, c'est que ça alimenterait les pistons en haut et en bas ou autre chose. Alors qu'avec les observeurs, tu peux alimenter un piston en particulier. Ça marche plutôt bien. Là, elle tourne à fond, la ferme. Et du coup, ils font un stock de TNT relativement conséquent aussi. Oh, tu mets un duplicateur de TNT. Pour le moment, j'utilise un bed dispenser et de la TNT qui viennent chez Zanzag, la TNT. Pour le temps de tester, voir si tout allait bien. Mais maintenant, je peux mettre le duplicateur. Après, elle est plutôt efficace en termes de TNT. Une TNT, ça te donne combien de bois à peu près? Dans l'idéal, plus de 200. Une TNT, 200? Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est rentable, hein. Et là, du coup, là, ben, en même pas une heure de temps, j'ai fait plusieurs doubles chests de bois. Elle produit 12 000 blocs d'acacia à l'heure. 12 000 de jungle, 11 000 quelque chose de spruce, 11 000 de birch et 9 600 de oak. Alors, ça va, 800 hein. Par minute. Basiquement, enfin, pas vraiment parce que c'est pas, oui, pas exactement le même calcul, mais oui, on va dire. Mais qu'est-ce que vous faites? Laisse-le tranquille. Oh. Oh. Magnifique. Je pense que c'est une jolie ferme, hein, non? Ouais, très jolie, ouais. J'aurais pu cacher plus la ferme, mais c'est juste que je trouve la redstone vraiment sympathique à voir, en fait. Donc pourquoi la cacher derrière un mur ou la enterrer et... Enfin, techniquement, elle est enterrée. Pourquoi l'enterrer et pas la voir, quoi, alors que... Enfin, c'est beau, quoi, de voir tous les pistons s'activer, voir les petits blocs de bois se faire convoyer tranquillement vers leur explosion programmée. Ouais, c'est beau, bien. Je valide. Je valide. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode-ci de l'Ecube. J'espère que vous avez bien apprécié. Très fier de ma petite ferme à bois. Merci à tous ceux qui ont aidé d'ailleurs sur le serveur encore une fois. Du coup, ça c'est fini. On va pouvoir passer à d'autres trucs. Et croyez-moi, on en a beaucoup d'autres trucs, franchement. On va aussi commencer à faire un peu du terraforming pour les autres parce que c'est mon nouveau business. Je pourrais peut-être l'ouvrir pour le prochain épisode, ça pourrait être plutôt sympa. Dans tous les cas, si vous avez bien apprécié cet épisode-ci, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Si vous voulez pas manquer les lives sur le serveur, vous pouvez aller sur twitch.tv/AurelienSama. Je live assez souvent sur le serveur Les Cubes. Ça permet de voir aussi un petit peu l'envers du décor, notamment quand j'ai fait tout le terraforming de cette grotte. Il y en a qui ont regardé en live le designement. Le design... Non, c'est pas très français. La façon dont je l'ai designé. Voilà, bref, au revoir. Ciao.